Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir dans notre émission l'un des plus grands représentants du Zouk Love, il s'agit de Sly. Mais on commence par le sommaire. Sly fait partie de ces artistes qui se sont fait connaître dans les années 2000 et qui ont marqué les esprits de toute une génération à travers leur musique. Zouk Love était alors en pleine émergence. Qui ne s'en souvient pas? Celui qui en 2005 était disque d'or en France avec son album Florilège, vendu à 300 000 exemplaires, et de retour sur notre territoire pour un concert exceptionnel à Nouméa ce samedi au Gwendou Beach. Et dans une seconde partie, Stéphanie a décidé ce soir de nous faire découvrir une jeune artiste activiste canadienne d'origine inuite, qui avec plus de 4 millions d'abonnés cartonne sur TikTok en nous faisant découvrir son héritage culturel. À découvrir dans cette émission. Mais tout de suite, nous recevons Sly dans notre émission. Bonsoir Sly. Bonsoir. C'est un honneur de t'avoir avec nous ce soir. En tout cas, je suis très content d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, ma première question, tu es venu pour une date exclusive, on est d'accord? Oui. Il n'y a pas de surprise, hein, pas de showcase dans un club. Non. Une seule date. Une seule date, oui. Demain soir au Gwendou Beach? Tout à fait. Ce n'est pas ton premier passage en Nouvelle-Calédonie, si je me trompe? Non, c'est mon troisième. Troisième? Mais le second, il remonte quand même à 5 ans, quoi. Ouais. Ah d'accord, t'étais venu en 2017 et avant ça t'étais venu avant ça, alors je serais incapable de te dire en quelle année, mais effectivement c'est bien ça, 2017 pour la seconde fois. Et lors de ton premier voyage, t'as des souvenirs? Enfin je veux dire, quelle impression tu as eu en foulant le territoire ici? Ben en tout cas j'ai eu cette impression d'être hyper proche en fait, d'avoir, il y avait énormément de points communs, notamment avec l'île de la Guadeloupe dont je suis originaire. Ouais. Beaucoup de points communs, je pense qu'il y a quelque chose qui relie un peu les îles, un état d'esprit, je dirais même un art de vivre. Donc ouais, je me suis coulé un peu dans l'ambiance locale sans souci quoi. Ça va, t'étais pas perdu ici? Non, quoi. Pas du tout. Ok, parlons maintenant de ta musique, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je suis pas un spécialiste de zouk, ok? Ok. Mais en 2004, j'avais 20 ans. Tu vois le truc? Et en 2004, il y avait un titre qui tournait pas mal ici. D'ailleurs, on va regarder un extrait pour que le téléspectateur sache un petit peu si jamais ils ont pas fait le lien entre l'artiste et la musique. Ok. On va regarder un extrait tout de suite, un court extrait. Allez, c'est parti. Je c'était le titre Flamme, c'est ça hein? Exact, titre Flamme. Qui ne s'en souvient pas en tout cas. Ce titre, il est particulier dans ta carrière? Ah oui, complètement. Il a de ça de particulier, que déjà je ne l'ai pas vu venir. Honnêtement, je l'ai écrit, je l'ai composé, mais sans anticiper sur un quelconque succès ou quoi que ce soit, je savais juste à ce moment-là que j'ai fait un titre qui me plaisait, une chanson qui me plaisait tout simplement. Il a également ça de particulier qu'il a, il a tout déclenché en fait. D'accord. C'est ce titre qui a fait que j'ai décidé effectivement de vivre de la musique, de devenir professionnel. C'est ce titre qui a, enfin voilà, abattu un peu tous les murets culturels, puisque c'est un titre qui fait un peu l'unanimité, quelle que soit la culture dont on pourrait être originaire. Donc ouais, il a une place centrale, je dirais, dans ma carrière. À part entière, quoi. Mmh. Et du coup, le succès qu'il a pu engendrer, tu l'as vécu comment à l'époque? Ça devait être complètement dingue. C'était dingue. Et je l'ai bien vécu parce que je crois que je me rendais pas compte, mine de rien. Mine de rien, j'étais assez dans ma bulle, puisqu'en fait, je cherchais pas forcément la lumière. Donc, en fait, moi, dès que j'avais mes shows à faire, dès que je devais me représenter, j'étais là et puis ensuite, je retournais un peu dans ma bulle. Mais je me suis pas rendu compte à l'époque de l'intégralité de l'impact que ça pouvait avoir. Et cette notoriété, elle t'a pas fait peur tout d'un coup? Ça a dû arriver comme une vague, quoi.
C'était une vague. Ouais. Alors, ça ne m'a pas fait peur. Je pense que je me disais, bon, waouh, ok, je me laisse porter, on y va. J'avais un peu les yeux écarquillés sur tout ce qui se passait. Mais c'est avec plaisir que je répondais un peu, que je répondais aux sollicitations. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, je me disais, mais... est-ce que tu te rends compte de la foule qu'il y a en face de toi? Qu'est-ce que tu fais là? Mais en fait, voilà, en fait, c'était des petites interrogations, des petites pensées comme ça qui me traversaient l'esprit. Mais c'est avec le temps qu'on se rend compte, en tout cas pour ma part, c'est avec le temps que je me suis rendu vraiment compte de l'impact que ça a eu. T'as dû découvrir ton album dans les bacs, tout ça, ça a dû être formidable. C'était formidable, c'était énormissime. C'était énormissime pour quelqu'un comme moi qui... n'avais jamais envisagé de faire carrière, en vérité. La musique, c'était un hobby, comme beaucoup, puisque voilà, on a cette caractéristique, notamment dans les îles, d'être très mélomane, d'être un peu ouvert sur différentes influences. Et jamais j'avais envisagé de faire carrière. Et c'était quelque chose d'exceptionnel, quoi. Ouais. Et il paraît que ce titre, il tournait déjà aux Antilles avant 2004. Est-ce que c'est vrai ? Oui, tout à fait. Okay. Donc en fait, au niveau chronologique, c'est un titre qui est situé dans sa première version, 99-2000. Okay. Voilà. Et il était un peu plus long, il y avait d'autres parties dans ce titre. Et c'est vraiment lorsque une major a sonné, a toqué à la porte, en l'occurrence Sony à l'époque, wow. On a décidé donc de collaborer. Et pour le coup, il s'était passé 4 ans et on a rafraîchi le titre et on l'a écourté. D'accord. Et de façon à ce qu'il ait une diffusion hexagonale, quoi. D'accord, donc le titre, il a d'abord explosé dans les Antilles, j'imagine. Oui, c'était déjà un succès. Dans le monde afro-caribéen, c'était déjà un succès. D'ailleurs, j'étais déjà professionnel, justement, parce que c'est un titre qui m'a obligé à faire un choix de vie. Et j'ai choisi la musique, puisqu'à l'époque, j'avais un autre boulot à côté. Et j'ai dû faire un choix, parce que, effectivement, ce titre déjà était un succès. J'avais beaucoup de sollicitations. Déjà avec le monde, la communauté afro-caribéenne. Et lorsque j'ai entamé cette collaboration en 2004 avec Sony, ça faisait donc 4 ans que je vivais déjà de musique. Ça a dû être une expérience incroyable au début, enfin toujours maintenant j'imagine, quoi. Ah oui, non, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que la musique en général, et ce titre en particulier, m'a fait peut-être passer les meilleurs moments de ma vie, quoi. Parmi les meilleurs moments de ma vie, oui, c'est sûr. Et ensuite arrive un autre titre, hein, assez légendaire aussi, c'est La Dernière Danse. Hein. Ah oui, Ne Rentre Pas Chez Toi Ce Soir. Ne Rentre Pas, nous on l'aurait appelé comme ça ici, mais oui. Exactement, bon, en fait j'ai retenu la leçon, hein. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le sens, en tout cas il faut capter la phrase essentielle et en faire le titre de la chanson, parce que c'est vrai qu'il y avait une confusion, mais cela dit, énormément d'hommes, me remercie pour ce titre. Ah ouais. Parce que, alors c'est une chose, c'est vrai que bon, le plus gros de mon public est féminin, mais beaucoup de gars en fait me remercient par rapport à cette phrase « Ne rentre pas chez toi ce soir » qu'ils ont, si je je reprends ce qu'ils me disent, qu'ils ont beaucoup utilisé lorsqu'il fallait, quoi, en soirée, okay. Dans certaines conditions. Ça a dû aider. Ouais, voilà, ça a dû aider, c'est ce qu'ils me disent en tout cas, et c'est une chose dont je suis assez fière et heureuse, puisque c'est quelque chose de complètement positif. C'est une musique qui rapproche les gens, donc voilà. Donc La Dernière Danse, effectivement, tout aussi légendaire que Flamme. Ouais. On regarde encore un extrait, parce que c'est indémodable pour les téléspectateurs, d'accord? Ok, ça marche. Allez, regarde ça tout de suite, un court extrait. Ne rentre pas chez toi ce soir, ma puce reste avec moi ce soir, reste avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir, ne rentre pas chez toi ce soir, ma puce reste avec moi ce soir, reste avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Je pressens ton envie de bouger, accepte cette danse, c'est Ladies Night, tu es à l'honneur. Allons, viens, danse, je m'éveille sous ta sensualité, donne-moi une chance, c'est plus que je ne peux endurer. Allons, viens, danse, ne rentre pas chez toi ce soir, plus reste avec moi ce soir, reste avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Voilà, moi
moi, ça me rappelle plein de bons souvenirs. En tout cas, c'est incroyable. Hein. Toutes les soirées ici en Brousse, cette chanson, elle passait partout. C'était absolument incroyable. Ok. Et aujourd'hui, tu es de retour sur le Caillou, en Nouvelle-Calédonie, oui. pour un show. On est d'accord. Oui. Mais est-ce que c'est pas un retour un petit peu plus global au devant de la scène pour toi aussi? Ça fait quelques années. Hein. Voilà, plus global. Franchement, ouais. Voilà. Bah, déjà, j'ai cette chance exceptionnelle de durer par rapport. On a évoqué les années 2004, exactement. 2005. Et pareil, on m'aurait dit qu'en 2022, je serais encore là à pousser avec de nouvelles actualités. J'aurais signé tout de suite. En tout cas, j'y aurais pas cru, ne serait-ce que, en tout cas, qu'en partie. Et aujourd'hui, j'ai cette chance, effectivement, de pouvoir continuer à proposer, à faire carrière, à rencontrer le public. Et c'est dans cette démarche-là, bien sûr, que je suis présent donc en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique, puisque c'est un public qui compte, qui compte pour moi tout simplement, parce que les îles sont un peu m'ont accompagné et soutenu durant toute cette carrière, donc ça a une énorme importance pour moi. Et oui, c'est un retour global. D'ailleurs, pour demain soir, je vais balayer un peu sur toute cette carrière, quoi. D'accord. Et donc il y aura différentes époques, et c'est ça qui est génial, puisque je m'attends à voir différentes générations également. Et donc quelque chose, donc une prestation qui parle du global et qui parle à différentes générations, donc ça, oui, c'est fort. Mais Sly, du coup, tu avais mis un petit peu la musique de côté ces derniers temps. Enfin, il y a eu la crise du Covid, on sait que tu as aussi un label, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mis ça de côté un moment? En effet, j'ai le label Kumbit Music, parce que je suis producteur, et en fait, je suis quasiment producteur depuis mes tout débuts. Underground, depuis le début. Voilà, exactement. Donc en fait, j'ai levé le pied, pendant 5-6 ans, effectivement. Alors, c'était un choix personnel de prendre un peu le temps, de regarder un peu ce que j'avais fait, de m'interroger sur où je voulais aller, comment je me projetais, comment je me voyais à l'avenir, dans le futur. Et donc, ça a été vraiment une introspection, une démarche pour moi, un questionnement, une longue période de questionnement durant laquelle, je créais, mais à un rythme beaucoup moins soutenu. Mm-hmm. Et effectivement, il y a eu ces fameuses 2 années qui m'ont particulièrement freiné, mais comme beaucoup d'autres artistes, tout simplement parce que j'avais envisagé un retour un peu plus tôt. Donc ces 2 années se sont additionnées aux quelques années qu'il y avait de pause qu'il y avait eu avant, ce qui explique un peu la longueur du silence, on dira. Mais là, je suis bel et bien de retour cette année, donc avec un premier single, Notre Idylle, sorti le 1er avril, qui est visible sur les plateformes qu'on connaît. On en parlera, justement. Voilà, exactement. Et qui annonce en fait un album à venir. Donc Notre Idylle, c'est un titre qui est sous forme d'une proposition artistique que j'ai voulu ancrer dans notre époque actuelle. Donc j'ai beaucoup écouté ce qui se faisait, notamment au niveau de la musique urbaine, et j'ai voulu en fait intégrer certaines sonorités dedans, et prochainement un second single, et l'album est prévu en début d'année prochaine. Donc il y a tout un programme, c'est vraiment un retour que je fais, retour sur le devant de la scène, retour artistique, et donc je renoue un peu avec le public. Tu t'es recentré sur toi-même pour pouvoir, on est d'accord, avancer, mieux avancer. Tes thèmes de prédilection, l'amour, les relations humaines, c'est une thématique intarissable pour toi ? Intarissable. En fait, ce qui me fascine, c'est que là, la matière, elle est purement émotionnelle. C'est-à-dire on parle de l'impalpable, on parle de quasiment l'imprévisible. On parle de ce qui touche, qui fait qu'on est, même malgré les points communs et les réactions communes que l'on peut avoir selon les situations, je pense qu'on touche à ce que l'on est soi, chacun. Et c'est pour ça que c'est une matière pour moi qui est fascinante. Voilà, comme je disais, l'imprévisible. Et c'est cette partie-là de l'être humain, en fait, qui m'intéresse. C'est cette complexité. C'est ce qui fait qu'on est à part. Voilà. Et pareil sur ce prochain album. La matière, elle est là. Après, il y a des thèmes un peu plus festifs parce que c'est un album que je veux totalement positif, l'album à venir. Donc voilà, c'est là, on se situe là, mais en fait, c'est un peu quelque part ma patte depuis le début. Ok, écoute, tu nous parles de cet album à venir, ce titre Idylle. Ben justement, on va en profiter. On va regarder un extrait parce que quand même, c'est tout nouveau, c'est tout frais. On regarde ça tout de suite. C'est parti. Bonjour, nouveau développement dans l'affaire de la monnaie. Nouvelle arrêt.
arrestation hier soir en région parisienne. Un jeune homme a été appréhendé à son domicile avec près de 80 000 euros de fausses coupures. C'est la 8e arrestation cette semaine. Pourtant, la police peine à éteindre le phénomène tant le profil des faussaires diffère du profil classique. Pour éviter de se faire piéger, la brigade financière indique sur sa page Facebook comment différencier les vrais billets des faux. Nous vous rappelons qu'une peine allant jusqu'à 150 000 euros d'amende peut être encourue pour ce type d'infraction. Souviens-toi nos traces de pas sur la plage désertée. On pouvait confondre la mer, le ciel azuré. On ne demandait rien, juste à se sentir bien. Nuit après jour, on avait dansé, tourné, lové. Au son des vagues, on s'échangeait des baisers iodés. On se savait fragile face au temps qui défile. Mais il y a comme un grain de sable depuis, même dans la ville. Je ne vois que des tours de sable. Est-ce le mal des îles? Je me revois défaire le cordon de ton maillot. J'aimais compter les gouttes qui perlaient sur ta peau. Notre idylle, sur cette plage volcanique au milieu de nulle part. Le sable brille sur ta peau comme du diamant noir. Notre idylle, notre idylle. On ne cherchait rien pourtant sur cette île, on s'est trouvé. Comme un vœu jamais formulé pourtant exaucé. C'était la vie tranquille sur cette plage, notre exil. Et la parenthèse enchantée devait être protégée. Seul le secret pouvait en conserver la beauté. On s'est laissé ainsi, on ne s'est rien promis. Mais il y a comme un écueil, je marche dans la ville. Je me sens un peu seul, seul comme une île. Je me revois défaire le cordon de ton maillot. J'aimais compter les gouttes qui perlaient sur ta peau. Et voilà, c'était le single Notre Idylle. On est d'accord, c'est bien ça, hein ? Exactement, Notre Idylle, sorti le 1er avril même de cette année. Alors un zouk aux sonorités modernes, ouais. Même urbaines, on va dire. Tout à fait, exactement. L'instru est assez bluffant. Ouais. Ben, j'ai mis effectivement certaines sonorités urbaines. On est entre le hip-hop, la pop. Exactement. Et à certaines doses, c'est, comme je le disais, sous forme de proposition artistique, parce que... il faut se remettre en question, en tout cas c'est ma conception des choses, et j'aime un peu me bousculer, sortir un peu de ma zone de confort, et donc voilà, je voulais revenir mais avec quelque chose un peu qui détonne par rapport à ce que j'ai pu faire auparavant, et puis voilà, donc ça a donné Notre Idylle, tourné entre Paris et la Guadeloupe comme c'est inscrit, et la Guadeloupe je tenais à y tourner tout simplement parce que je ne l'avais jamais fait, bizarrement. Ah bon ? Voilà, je ne l'avais jamais fait, donc c'est la première fois, et effectivement il y a une fameuse allée qui s'appelle donc l'allée du manoir où il y a tous les palmiers, et c'est en fait situé sur la commune où j'ai passé toute ma scolarité, donc c'était hyper important, symbolique pour moi. Allée emblématique. Et voilà, exactement, donc ce titre voilà, marque les débuts de mon retour, donc il y aura également sur cet album des titres qui auront d'autres sonorités qui pourraient rappeler ce que j'ai pu faire auparavant, donc voilà, il y a de la place sur l'album, il y aura différentes influences, et j'ai commencé effectivement par ce titre que on peut tous voir, voilà, depuis un moment. En tout cas, bravo, hein, c'est frais, quoi, c'est fraîche, comme on dit, quoi. D'accord, merci beaucoup. Et justement, tu parlais de la musique, elle est en perpétuelle évolution. Où en est le zouk aujourd'hui pour toi? Des nouvelles influences, comme ce morceau, par exemple? En fait, moi, je trouve que, en tout cas, ma génération, la génération de zoukers, à peu près, Quadra, etc., je pense qu'on a un peu, quelque part, cette responsabilité-là aussi, c'est-à-dire à savoir de continuer à faire du zouk tel qu'il il est apparu, mais également de fouiller, de ne pas être, d'être dans son époque également, puisqu'en plus c'est une musique qui est métissée et qui, je trouve, absorbe très bien différentes influences musicales. Il faut se rappeler que quand Kassa va débarquer effectivement au tout début années 80, il y avait de la funk, ils avaient notamment la section cuivre d'Earth, Sweet on Fire. Exactement. Et donc voilà, donc en fait le zouk est un mélange, et je veux continuer, en tout cas pour ma part, à faire des propositions, à essayer
des petites choses, tout simplement pour effectivement pour se renouveler, pour renouveler, continuer à faire évoluer cette musique. Maintenant, où il en est internationalement, ben, je trouve qu'il est très repris. Il est très repris. On le retrouve auprès de certains artistes africains, nigérians notamment. On le retrouve dans la pop internationale. Donc, même certains titres de Justin Bieber, par exemple, ont cette espèce de rimshot. Tac, 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 tac. Donc, en fait, ça se répand, même au niveau national. Que ce soit Aya Nakamura, que ce soit Dadju, effectivement, on entend effectivement du zouk dans leur musique. Et voilà, donc je trouve qu'aujourd'hui, il est plus que jamais au devant de la scène, même si il n'est pas précisé pour certains artistes que c'est du zouk. Mais on reconnaît effectivement la touche caribéenne et antillaise. Ok. Écoute, je te propose maintenant qu'on passe à une chronique. Ok. Hein, ça s'appelle Le Moment de Steph. On regarde ça tout de suite. C'est parti. Ça marche. Le saviez-vous que le vrai baiser esquimau se fait comme ça et non comme ça? C'est le genre de vidéo que partage sur la toile la jeune artiste et activiste canadienne d'origine inuite, Shaina Novalinga. Tout a commencé en pleine pandémie de Covid-19 en 2020, quand la jeune étudiante a décidé de se découvrir en tant qu'inuite. Elle s'est donc initiée au chant traditionnel avec sa mère Caroline, chanteuse de gorge professionnelle. Un chant bien particulier, propre au peuple inuit, réservé aux femmes qui s'est perdu au début du XXe siècle, car longtemps considéré comme démoniaque par les missionnaires chrétiens. Pour ce chant, les femmes utilisent leur gorge et de profondes respirations pour créer une harmonie et se répandent mutuellement jusqu'à ce que l'une des deux ne suive plus. C'est donc avant tout un passe-temps, mais aussi une berceuse pour endormir les enfants. À travers lui, le son de la nature, ceux des animaux sont imités. Cela permet aux chanteuses de se connecter avec leur spiritualité, d'approfondir leur relation avec leurs ancêtres. Shaina et sa mère ont d'ailleurs sorti l'année dernière un album, Mother and Daughter Throat Singing, composé de 11 chants traditionnels que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de musique. La jeune artiste met également en avant d'autres pans de sa culture d'origine, les légendes inuites, la confection de vêtements traditionnels ou encore de repas comme le beluga qu'il consomme cru. Son objectif étant de changer la perception que l'on peut avoir de la culture inuite et surtout de briser les clichés qui l'entourent. Voilà pour cette chronique originale, hein, on va dire. C'est assez atypique quand même. Toi aussi, Sly, ta musique te permet finalement de transmettre ton héritage culturel ? Oui, complètement. Je pense que c'est hyper important. En fait, quand on revient un peu en arrière, du côté notamment de la Guadeloupe, quand j'étais quasiment, j'étais enfant, même pas préadolescent, on écoutait beaucoup les musiques d'îles environnantes, mais on n'avait pas, bien sûr, on a le groka, qui est la musique traditionnelle locale. On écoutait au niveau populaire, par contre, on écoutait différentes musiques. Effectivement, salsa. On était très salsa. Mm-hmm. On était aussi un peu reggae, mais salsa, compas et un peu de musique africaine. Et c'est vrai que quand le zouk est arrivé, on avait une vraie. Je pense qu'une musique n'apparaît pas en fait par hasard. Une musique est le reflet, la photographie un peu de ce qui se passe dans la société à un moment ou un autre. Et je pense qu'on était en recherche d'une identité musicale. Ouais. Et donc Kaslav est arrivé, nous a donné cette identité. Et je pense que c'est devenu un phénomène tout simplement parce que massivement on y a adhéré et on y a adhéré parce qu'on s'y reconnaissait. Et je pense que cet héritage-là, que quelque part j'ai reçu, il est important de le transmettre. Et aujourd'hui, c'est vrai que, quand bien même dans mes influences, il y a bien sûr le R&B, je dis bien sûr parce que peut-être que ça peut s'entendre par moment, mais c'est vrai que je suis dans le zouk parce qu'il y a cette aussi dimension transmission et faire vivre une culture. Et c'est pour ça que la chronique qu'on vient de voir, je la trouve purement magnifique. Okay. Je pense que dans la démarche, elle est exceptionnelle. Quoi. Merci. Eh bien écoute, on arrive bientôt à la fin de notre émission, hein. Ça passe tellement vite. On va regarder une dernière rubrique et puis après on va être obligé de se dire au revoir là-dessus. Pas de soucis. Ben, on regarde l'agenda culturel tout de suite maintenant, c'est parti. Spécial
spéciale découverte ce samedi à la Maison de la Famille à Nouméa. De 9h à midi et de 13h à 16h, diverses animations gratuites consacrées au bien-être des petits comme des plus grands vous y attendent. Bébé yoga, bol tibétain ou encore Dian Shan, chacun y trouvera son bonheur. Une belle manière de prendre soin de soi en famille. Si vous êtes un fin gourmet ou amateur d'artisanat local, sachez que ce samedi, au hall de Dimbéa, dès 8h, se tiendra le marché des îles Loyauté. Au programme, dégustation de bounia ou encore de poisson fumé vous y attendent. Bien d'autres surprises seront également au rendez-vous. Du côté de la province Nord, ce week-end, sachez que la commune de Point-d'Imier fête ses 10 ans au stade. Des animations vous seront proposées demain dès 9h et ce jusqu'à 23h. Divers concours seront également prévus, tout cela dans une ambiance festive. Enfin, à noter dans vos agendas pour la semaine prochaine, le groupe A7JK et ses amis mettront le feu au centre culturel du Mont d'Or à partir de 19h le vendredi 2 septembre avec en première partie Miguel et les sans nom. Et voilà, et malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. Sly, merci beaucoup, c'était un honneur de t'avoir avec nous. Ben merci à toi, merci pour l'invitation, j'ai passé un chouette moment. Et ben, c'était voilà. Super en tout cas, et demain soir, ne loupez pas ton show exclusif, c'est ça? Exactement, au Kuendo Beach, voilà, venez nombreuses, ça va être exceptionnel. Ça va être chaud, voilà. Pour les amateurs de collets serrés, de Zouk Love, c'est demain soir que ça se passe. Merci Sly. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se dit au revoir à la semaine prochaine. Et d'ici là, passez un bon week-end. Bye bye et bonne soirée.